Mes amis, vous allez bien? Oui. Qui va faire 100% aux examens d'État cette année? Qui va faire 90%? Toi? Qui va faire 80, plus que 80? Qui va faire plus de 70? Alors, mes félicitations les plus anticipées. Moi, je suis l'administrateur du territoire assistant, chargé des questions économiques, financières et développement, Gabriel Manzamba. Je suis accompagné, vous le connaissez, notre sous-proved. Il y a Laurence, il y a l'IPPA. Donc c'est toute une forte délégation qui vient vous encourager. Non seulement vous encourager, mais vous souhaitez également bonne chance. Bonne chance pourquoi? Parce que nous avons la certitude et la foi que vous allez tous réussir. Et ne voyez pas les conditions dans lesquelles vous passez vos examens. Assis à meuble sol, au 21e siècle, ça fait très mal. Voyez-vous? Mais l'État vous reconnaît. Les cahiers du thème que vous avez proviennent de Kinshasa. De Kinshasa, ici nous sommes dans quel village? Dans quelle chefferie? Quel territoire? Donc, les papiers que vous avez, ceux qui sont à Kinshasa, les élèves comme vous, présentent le même, passent le même examen, même si les conditions sont différentes, mais au moins l'État congolais vous reconnaît et l'État compte sur vous parce que vous êtes l'avenir de demain. Et cet avenir, c'est entre les mains d'une jeunesse responsable. Nous ne pouvons que vous souhaiter bonne chance, mes amis. Merci. Et surtout courage, hein, ne voyez pas les conditions dans lesquelles vous passez l'examen. Mais faites confiance à votre cerveau. Rappelez-vous de tout ce que vous avez étudié avec vos enseignants. Merci.